On aurait tort de penser que la flûte alto en sol et les grandes tailles de flûte en général sont des inventions du XXe siècle. Leur histoire remonte au contraire plusieurs siècles en arrière. Les grandes flûtes ont toujours été présentes, même si l'usage en a été discret, et qu'elles procèdent moins d'une lignée continue que de résurgences périodiques. À la Renaissance, tous les instruments se déclinaient en familles complètes. Les flûtes traversières ne faisaient pas exception, et un consort se composait habituellement de plusieurs flûtes ténor et d'une basse, accordée une quinte plus bas. On retrouve au XVIIIe siècle plusieurs modèles de flûtes graves. Les flûtes basses à l'octave étaient rares, mais il nous reste néanmoins de splendides instruments signés Thomas Lotte, Bizet, Deluce ou encore Anciutti. Déjà, pour solutionner les problèmes liés à la taille de l'instrument, on avait recours à des clés additionnelles ou à un coude de bois ou de métal pour replier l'embouchure vers l'intérieur. Bien plus répandue, la flûte d'amour était accordée une tierce mineure ou majeure en dessous de la flûte ordinaire. Il y eut un petit répertoire pour elle, comme certaines œuvres de Graupner ou Molter. La flûte d'amour est aussi présente au XIXe siècle. Entre autres, Mercadante ou Verdi firent parfois appel à elle. On voit donc que lorsque Théobald Böhm, en 1854, met au point sa flûte alto en sol, il ne fait pas tout à fait figure de pionnier. Il était cependant très attaché à ce modèle et s'enorgueillissait qu'on l'ait même confondu un jour avec le son du cor. Il faudra toutefois attendre le début du XXe siècle pour que la flûte alto suscite un plus vif intérêt des compositeurs, à l'orchestre, on pense à Daphnis et Chloé de Ravel ou au Sacre du printemps de Stravinsky, ou en solo. L'instrument que je joue ici est construit par la firme Yamaha en laiton doré et argent. On peut la jouer selon son confort, avec une tête droite ou une tête courbée.